Hey, salut! Tu connais la vraie histoire du football africain, toi? Hein? Tu connais? Tu sais que dans les années 80, la grande équipe du Cameroun, avec Thomas Nkunu, Koundé, Jean-Pierre Tokoto, Docteur Abega Théophile, Roger Mila, mais comment tu connais quand même? Ces gens-là nous ont inscrits dans l'histoire parce que c'était des grands, des grandioses, des grandissimes, des grandiloquents, des grosso modo. Parce que quand tu es très grand, tu es grosso modo. Ces gens-là, vraiment, ils avaient le cœur des lions. Et la tunique qu'ils portaient, la tunique légendaire, c'était quoi? C'était coq sportif. J'ai le maillot, parce que moi, je suis un vieux. J'ai le maillot. Hey, donne-moi le maillot. Le vieux maillot, là. Le vrai maillot, la tunique légendaire. Oh, dépêche-toi. Merci. Voilà ça. Il y a marqué quoi là? Le corps sportif va à nouveau travailler, habiller les lions indomptables. Et c'est marqué quoi ici? C'est marqué Zimbabwe? C'est marqué Mozambique? C'est marqué Nigeria? C'est marqué quoi? C'est marqué Cameroun? Est-ce que ça c'est Nike? Non, c'est pas Nike. C'est pas Reebok, c'est pas ces marques-là, non, c'est ça le vrai maillot officiel. On va aller en haut avec ça. Parce que je vais aller appeler les sorciers. Tu comprends? Les sorciers.